Hôtellerie, restauration ou encore grande distribution, 21 entreprises du Val d'Amboise et du Castel Renaudet ont accepté de parrainer 26 demandeurs d'emploi en recherche d'insertion professionnelle. Tous les parrains bénévoles sont des professionnels, entrepreneurs ou cadres d'entreprise et leur rôle est simple. En fait, son rôle, c'est de mettre à disposition sa compétence, son expérience, sa connaissance pour aider un chercheur d'emploi à retrouver un emploi non pas au sein de son entreprise, mais à l'extérieur de son entreprise, on appelle ça le parrainage, ou le coaching en fait, tout simplement. 38 000 euros seront nécessaires pour mettre en place ce partenariat, puis 7 500 euros chaque année pour assurer le suivi du dispositif. Pour le Conseil général d'Indre-et-Loire, l'emploi reste une priorité. On a un département dynamique sur le plan économique et donc aujourd'hui il faut rapprocher à la fois l'offre et la demande. C'est ce que les chefs d'entreprise ont dit pour la plupart et je crois que c'est une initiative qui peut répondre à ce besoin. En France, 20 000 chercheurs d'emploi sont parrainés chaque année et parmi eux, entre 50 et 75% retrouvent un emploi.